ça veut dire qu'il aura pas énormément de rêves. Normalement, il a 30% terre et 10% dans le reste des éléments. Ouais, c'est ça. Mais au moins, il a l'initiative. Ouais, le Fekka, 5000 de vie, Mikasa. Ok, ok, très bien. Ah, c'est Abuf en face. Idée de ouf. On peut même faire ça sur Draco. On peut te rejoindre avec nos stuffs de... Sa fille. Sadi. T'es un Sadi? T'as mort, tu étais en train de te trahir, là. Perso, j'ai Panda et Nice de Balouji. Donc, t'as les persos mêlés, des persos plutôt distance, ouais. Après, je suppose, sur du full mêlé, c'est pas trop mal, hein. Moi, dans la même dynamique, j'aurais peut-être fait Panda. Panda et Nif et Kaoji. En capitalisant plus sur le soin. Un peu comme une team songe, quoi. Un Fekka feu avec. Fekka feu qui fait du rat de PM. Ouais, c'est lourd, hein. C'est des actions quasi en mêlée, le Fekka. Ok. Ah, ma souris déconne. Suicidaire, moi? Dans la tête, c'était mieux. Parce qu'en fait, je me doute que Mikasa, il va un vue distance le Kra, donc... Briskit pourra pas faire le kill, donc il va devoir me soigner, et Abuf, je suis énervé, c'est dommage. J'essaie de jouer SRAM en utilisant le moins possible sort Invi. En fait, l'Invi, c'est un boost PM pour moi, juste. D'ailleurs, là, j'aurais pu utiliser pourquoi un boost PM, no fake. Salut Reality. SRAM à la place du panda. Tu penses? Pour le piège d'Imo juste? Ça fait que ça. Hein. Merci AEG. Parce que si je mets un SRAM à la place du panda... Il ferait quoi mon SRAM honnêtement? Je pense que c'est flopesque. Regardez, là... En vrai, autant utiliser l'invi pour taper en mêlée juste. Alors le kill passera pas... Si, il passera tout juste. La famille je tue? Non. Mais le scélérat tue, vous allez voir. Arrête, arrête. Mikasa, tu feras pas le kill. Mikasa, il joue avec une épée Karine, mémoire. Après, c'est pas trop idiot, le SRAM. Mais dans ces cas, le SRAM, c'est à la place de Lenny. En gros, le SRAM met un petit piège, enfin, met un réseau. Lenny et Sadi et le Panda s'occupent de mettre tous les mobs à 0 PM. Et à l'occasion, le Panda, il porte et il jette dans un réseau, quoi. Ou alors un Roub. Mais le Roub fait pas du retrait PM en dégâts directs. Même logique, sauf que c'est avec un mur de bombe. Parce que Enusadi, on a la synergie. Panda, c'est un confort de jeu de fou. Plus, on fait les procs. Lenny vient s'ajouter comme la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que lui, il a pas trop de synergie.
Avis sur la régène. Super Terre haut. Mais Alex, t'es un génie. Super Terre haut, Dark, cap de classe. Regardez, regardez. AEG prend son prime. Il fait instant point d'exclamation QI. Il y a le plus haut score du QI possible, c'est 27. Tout le monde t'attend au cinéma. On pense que tu espères une scène post-générique alors que tu essaies juste de comprendre la fin du film. Ouais. Mais c'est le plus haut, hein, pour l'instant. Bien joué, Biscuit. Ça valait le coup, je pense, de jouer feu. Parce que s'il y avait joué haut, là, ça aurait peut-être été flopesque. On a besoin de taper très vite, très tôt, et des fois, tu te débrides, ça carie, quoi. Quasiment 400 000, les pare-chocs qui sont sur les airs. Purée. Belle remontada des prix. C'est un cran en face, donc je vais rester là. Je pensais que je peux aller là. Non, là, je suis bien. Tu vois, ce style de fou. De dos, c'est incroyable aussi. Donc, Eni est nu, Panda Sadi. Non, mais la compo est bien. Fais qu'en fait. Non, je pense pas. Féca glitch mode vu que les mobs auront 0 PM. Ah là je comprends. Là le Féca peut être intéressant. Et du coup on dit fuck le soin. Du coup on dit fuck le soin. Féca Enus Ali Panda. Le chat, est-ce que vous préférez Féca Enus Ali Panda ou Eni? Enu, Sadi, Panda. Dites Eni ou Feka. Hibiscus ce soir. Non, là, je suis sur de la cerise. Mon hibiscus, il a pas mal pris l'humidité. Donc, je pense pas le revoir. Feka, Feka, Triple J. Le Feka, il est charismatique. Hein. Feka multi avec un caxon. Hein. Voilà, tu t'en demandes beaucoup. Hein. Vous êtes chiant, c'était nos brains avec Lenny. J'ai plus de portée, putain, à chaque fois j'ai plus de portée, quoi. C'est peut-être le problème du SRAM, en fait. De pas avoir de PO. Oh, ma vie de merde. Je sais pas pourquoi je me suis reculé. Tu penses que j'aurais dû aller là? Ouais. Après, si je me mets là, c'est free pour les cas aussi. Bon. Féca égale boubou, pas besoin tant de heal. Tu joues distance pour pas de cra. Bah, je joue distance, je joue plus sur le contrôle de mob que distance. En mode, c'est bien s'ils sont à 6-7 cases les mobs et qu'ils bougent pas. Comme ça, ils restent à portée du Féca. Surtout que l'Enu, pour faire son... C'est quoi? C'est orpaillage. Il a pas non plus énormément de portée. Bon, cette team, je la fais sur Talkasha ou sur Ombre.
Sur, en fait, le problème de Ombre, c'est qu'il y a plein de moments où je me dis, bah, je vais pas le faire parce que je peux mourir. Et en même temps, sur Talkasha, je vais galérer à XP, non? C'est long. Trop de questions, Uz. Au bout d'un moment, agis et ferme-la. Je trouve assez violent, mais bon, ok. Bien sûr, Imagero. Bah non, mais non. Il faut que j'avance mon entreprise sur Talkasha aussi. Je pense que cette année, je peux complètement assécher Talkasha de toute leur économie. Ce serait le but. Bien sûr, Imagero. Non, non, Mina, c'est un de loser. Imagiro, t'as reçu le subprime? Bah, je vois que t'es sub. Donc, a priori, oui. Merci à ceux qui sub. Bon, là, j'ai récupéré de la portée, si j'ai pas de bêtises. Ok, j'esquive. Je vais aller sur Astéri. Le truc, c'est que là, il faut que je me régène. Donc, j'aimerais bien prendre des zones larcins. Ok, vous savez ce que je vais faire? Je vais être hyper aggro. Je vais mettre ça là. Comme ça, je contourne ici et je peux au moins être un larcin. Comme ça, je me rebooste full. Et je prends mon maxi régène ici. Enfin, maxi régène. Ça va. Ça suffit à ce que le crâne ne turn pas et nous on a la rota sur les quins. Arrête, je t'ai voué de la chance. Tu veux pas me turn? Non, il peut pas me turn. Là, c'est du Ust et t'es trop passif. Bah ouais, mais j'avais moins 15 000 PO et aucune opportunité de burst. Attends. Mon panda, il est en mode œil de sauron depuis tout à l'heure au fond de la map. Voilà. Comme ça, je crève. Ouais, Daid. Attends, c'est quel mode Daidara, du coup, je me demandais tout à l'heure. Parce que des modes dans chaque élément, il y en a tout un tas. Est-ce que c'est celui qui est sur le site? Ou est-ce que c'est celui qui pouvait se mettre sur un Kra aussi? Parce qu'au vu des raids, je pense que c'est PvP 189 médium. Ok, je vais regarder. Panda site médium, ok. Bah, il a l'air de bien marcher. Ah, purée, sur le site, je vais rajouter les stuff sadi aussi. Bah, si je fais un sadi et que je ne mets pas le stuff sadi. Ouais, t'inquiète, Astéri. J'ai juste pas le mode ini, famille et dague. Bon, à toutes. Et franchement, plaisant, hein.